On me dit que la petite Okeli sur TikTok est en train de frayer exactement toutes les Ivoiriennes. Gang, gang, gang. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux problèmes. Toi-même, tu es quoi? Je n'aime pas les dieux. Après, ils vont dire l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quoi quand on travaille? Mon frère. Ah, la jeunesse. Ah oui. On a dit le digital donne l'argent. C'est bien. Mais je m'interroge. Où sont les parents? C'est comme si certains enfants sont déjà abandonnés. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes en train de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Voilà encore un autre en gestation. Écoutez un peu cette petite vidéo, ce petit morceau choisi. Et on revient juste après pour plus de détails. Ça, c'est en tout cas, on ne peut pas même parler ça. Hein? Salut la famille, j'ai une confession à faire. Je ne peux plus supporter ça, je n'arrive même plus à dormir la nuit. Je vais me confesser aujourd'hui. Si vous l'avez constaté, ça fait pas encore 2 mois que j'ai créé mon compte TikTok et suis déjà à presque 50 000 d'abonnés. En fait, ce n'était pas simple. Ah, quoi? Ça, c'est quel pays? Ah! MC Kenzo m'avait emmené chez certaines personnes. Une fois là-bas, on m'a proposé des choses. J'ai accepté. Il me disait que c'était un truc de simple et que c'était juste pour m'encourager dans ma visibilité. Aïe! J'ai accepté. Mais quelques temps après, depuis que mon compte a commencé à percer, on ne fait que me donner certaines conditions. Aïe! Oh, maman! Je m'interroge! J'ai refusé donc de faire toutes ces conditions. Maintenant qu'on arrête de me menacer, on m'a donné 48 heures. 48 heures pour me décider. Sinon, c'est ma tête qu'on va prendre. La famille ne sait plus quoi faire. S'il vous plaît, aidez-moi. Hey, les filles du village. Voilà les jeunes d'aujourd'hui. Voilà comment vous êtes. Ça fait mal. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. J'étais venu vous dire cela. Il y a 5 TikTokers qui vont perdre leur vie. Récemment, c'est la petite Adora. Aujourd'hui, on vient d'annoncer. La petite sœur de Ashley vient de m'annoncer qu'elle est morte. Jésus! Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Salut à vous, la famille. Bon, j'ai vu des vidéos de moi courir un peu de partout sur les réseaux sociaux, soit disant que je suis morte. En fait, je suis bel et bien vivante. C'est pas possible. MC Kenzo officiel. J'ai constaté que c'est toi qui racontes un peu de partout que je suis morte. Tu restes et tu n'as rien à faire et puis je commence à raconter des histoires sur le nom des gens. À cause de toi, je marche partout ici à Douala, on me traite de fantôme. Que ce soit la dernière fois que tu fasses des vidéos me concernant et tu publies dans ton compte. Tu ne me connais pas très bien, il faut aller te renseigner, on va te dire. Yeah. Vraiment, je suis étonné. La famille, vous comprenez la jeunesse. C'est-à-dire, je me rappelle il y a de cela quelques mois où j'ai conseillé l'autre comme ça. Qu'on ne joue pas avec la mort. L'autre était allé loin jusqu'à faire même la levée de son corps. À la mort, on montrait les images, comment on faisait sa levée. Pourtant, il était couché dans sa chambre. Voilà une autre. Parce qu'elle a la quête de la visibilité. Elle fait des vidéos où elle dit qu'elle est entrée dans la sorcellerie. Elle a fait ci, elle a fait ça. Elle va mourir. Son frère vient donc maintenant dire qu'elle est morte. Elle sort maintenant pour dire que tu dis que je suis morte. Pourquoi je vis? C'est ça, on vous dit aller à l'école. C'est avec la mort ou bien c'est avec la vie que vous vous amusez comme ça, les amis? Point d'interrogation. On ne dessine pas le diable au mur. Vraiment, c'est malheureux. L'autre a fait ça. Et on sait à quel niveau il est aujourd'hui. Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Faites très attention. Chers parents, s'il vous plaît, contrôlez vos enfants. On est fâché. Ce n'est pas bon. Je suis déjà dépassé. Dans ce pays, mon frère. Oui. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Quand je parcours les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est comme si le monde est en train de tourner vers... Je ne sais même pas. C'est diabolique, hein? C'est le diable qui manifeste. C'est grave. Dégâts! Dégâts! De toutes les façons, hein, que Dieu nous garde. Pourquoi tu veux te mêler de ce qui ne te concerne pas? S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.